Dans cette capsule, je vais te parler de corrélation linéaire. D'abord, la corrélation linéaire, c'est un sujet que tu as étudié en troisième secondaire. La corrélation linéaire, c'est qu'on veut essayer de voir s'il existe un lien entre deux variables. Un lien qui sera mathématique, un lien qui sera qualifié ou quantifié. Okay? Donc, euh, c'est un sujet que tu as travaillé à partir des nuages de points. Donc, on voit dans l'exemple que j'ai à l'écran, un nuage de points qui représente des notes en mathématiques puis des notes en français. En passant, l'échantillon que j'ai, on le voit à gauche, c'est 12, 12 élèves. Donc, c'est un échantillon qui n'est pas très représentatif, mais je me voyais mal prendre 200 points pour faire un, un tableau. Toi aussi, dans le fond, euh, on va garder ça à hauteur humaine. Là, 12 points, c'est quand même suffisant pour, pour pouvoir amorcer le travail qui va être fait. Sur la corrélation linéaire. Okay? Donc, un nuage de points, on voit qu'il y a une certaine tendance, hein, ce nuage de points là à être regroupé autour d'une droite que tu as faite en troisième, que tu as tracée en troisième secondaire. Comment tu faisais en troisième secondaire? Bien, tu prenais simplement une règle, puis tu t'assurais, dans le fond, de placer cette règle-là au centre du nuage de points. C'est un peu fag, c'est un peu flou. Euh, ce que tu essayais de respecter, dans le fond, c'est d'avoir autant de points au-dessus qu'en dessous de notre droite, qu'ils soient répartis, ces points-là, tout au long de la droite, pour essayer, dans le fond, de faire ressortir la meilleure droite possible. Une autre des techniques en troisième secondaire, ça consistait à aller chercher un point, le point moyen. Donc, soit min x1, min y1, c'est la moyenne des x, ici, la moyenne des y, donc j'additionne simplement tous les X, je les divise par 12 parce que j'ai 12 données. J'additionne mes Y, je les divise par 12 pour obtenir le point P. Le point PM, dans le fond, le point moyen de tout ça. Puis ce point-là, dans le fond, sert de pivot pour pouvoir euh, côté si tu veux, euh, notre, notre droite. Pour être capable d'avoir un, un début, un début, dans le fond, de, de, de droite qui va être un peu mieux tracé que juste d'y aller au pif. OK c'est pas vrai qu'il faut prendre nécessairement des points dans le nuage de points. Hein, tu vois, la droite, présentement, elle passe sur aucun point. Pourquoi ton enseignant, ton enseignante de troisième secondaire te disait d'essayer de passer sur des points? C'est simplement pour avoir deux points sur lesquels euh, se baser pour être capable de trouver l'équation de cette droite-là. En quatrième secondaire, on va avoir deux autres techniques. Okay, la technique de meilleure, la technique médiane-médiane pour être en mesure d'établir la meilleure équation de droite. Possible. Mais là, on n'est pas là. On est vraiment au stade où on veut euh, parler de, de corrélation linéaire. Donc, je vais aller dans tes notes de cours maintenant. Donc, tu vois. Corrélation linéaire. Petite définition. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand on travaille la corrélation, on veut calculer, on veut étudier, dans le fond, l'intensité de la liaison qui existe entre les deux variables. Okay? Euh, on parle d'une corrélation linéaire parce qu'on travaille avec des droites. Il y a d'autres types de, de, de corrélations qui existent, par exemple des corrélations quadratiques, exponentielles. Mais ben celle qui nous intéresse en quatrième secondaire, c'est vraiment la corrélation linéaire. Donc, on va parler d'appréciation qualitative de la corrélation linéaire, qualitative en mots, okay, dans un premier temps. Dans une prochaine capsule, on parlera euh, d'une euh, appréciation quantitative d'une corrélation linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir on veut savoir le sens et l'intensité de la corrélation. Le sens, tu vas voir, c'est une chose que tu vas peut-être un peu reconnaître. On va parler dans le fond d'une corrélation qui est positive, une corrélation qui est négative. Comment on fait pour les distinguer les deux Je pense que j'ai pas trop de difficulté à te le faire comprendre. J'ai un nuage qui monte hein, quand la variable x augmente. Ma variable y augmente aussi ce qui fait en sorte que notre corrélation elle est positive car nos deux variables varient dans le même sens comparativement à l'autre qui est une corrélation négative lorsque ma variable x augmente ma variable y elle diminue donc les deux variables varient en sens inverse quand il y en a une qui augmente l'autre qui diminue okay? donc c'est pour ça qu'on parle d'une corrélation qui est négative pour ce qui est de l'intensité ben notre intensité va passer de parfaite donc on voit vraiment les points qui sont parfaitement aligné. Ça, c'est les modèles que tu as étudiés beaucoup en troisième secondaire avec la droite Y égale à X plus B. On a des corrélations qui sont fortes, moyennes, faibles et nulles. Donc, c'est vraiment d'y aller, là, euh, au juger. On voit la différence. Tu sais, des fois, entre moyenne et forte, la, la différence peut être faible. C'est pour ça que, dans le fond, on va aller la quantifier dans une prochaine capsule. Mais déjà, on a un début de travail. Notre corrélation là, j'ai juste représenté dans dans les exemples qui sont ici des des, euh, des corrélations qui sont positives, qui ont un sens positif. Mais on pourrait exactement prendre les mêmes nuages de points, et les faire descendre, puis on aurait une corrélation qui est forte et négative, forte et moyenne, euh, moyenne et, et négative, négative et faible, et euh, négative et nulle. Bon, nulle c'est nulle, ok, c'est dans le milieu. Donc, corrélation nulle, c'est ni positif ni négatif. Donc, on passe d'un à l'autre. À un moment donné. Okay? Donc, pour le moment, retiens ça, qu'on a des corrélations qui sont parfaites, des corrélations qui sont faibles. Puis dans le fond, c'est ce lien-là qui, qui, qui peut être fort, qui peut être moyen, va m'aider à prendre des décisions plus tard. Hein? Parce que dans le fond, une corrélation qui est faible, est-ce que je vais me fier aux au résultats que je vais obtenir, plutôt qu'à une corrélation qui est forte? Donc, c'est là qu'il va falloir, dans le fond, qu'il va falloir réfléchir à tout ça dans une prochaine capsule. Si je déjà mon